Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, Chinotre, Nédé. Hello. Mwana États-Unis, tata yoki kolela na bino, atindeli bino, mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolela lokola moto aza na mombele, lokola moto aza na ngaba. Merci mon but. Wow! Bana États-Unis, kolia bio et komi lolenge na bino. Bona kozwa, mbisi ya kokauka, tope mafuta ya mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Che mama Samira, mansom azali. Eloko moko te yo koluko komonate. Nandenga babete, bona kozwa biloko a detail. Yoka numero, numero 938, avenue Maurice, na New York. Adresse. Il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka misia kokauka mongusu mafuta mbila et kokoma lokola bazoka na yo. Yeyo kombone mama Samira makiambae. Plus précisément la carte de Washington. Malobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Malobi shop Africa Union. Mais quand t'es gagnant, ça, il y a un yo congolais. On y dit de la yo, à ça, il y a un thé. Bon à Korea, la yo, comme à bon de la yo. Bon à tout, on a yo, comme à bon de la yo. Bon à yo, Malobi bio. Bio Africa Union et toi t'es tout à quoi la machine sinon voyez pas y'a sinon voyez à dire mon commandant n'est pas là t'es pas là t'es pas là y'a un boca y'a fresh y'a bio bio na bio bio na bio si on a mamba yo pour la mon canja y'a sali parobi n'y a pas y'a li et un coup à paniwa parobi en tente y'a li y'a un boto y'a mbis y'a parobi n'y a pas y'a boto y'a mon commandant y'a pas y'a ne t'as la n'gando n'y a la n'a pas y'a oye de que n'a soutou eza kodia n'a peti bon maman mande y'a solo bon va t'en comprendre te mawa va congolais où allons-nous où allons-nous bon na kodia n'a pino moko va kodé la dino kodia n'a apeti messieurs et dames, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Cacophonie à l'Équateur. La politique mettant l'homme au centre des préoccupations appliquée à la SNPR, bien que n'étant pas du goût de l'intersyndicale. Au niveau de l'Équateur, il y a une cacophonie, mais on ne nous parle pas plus. Seules 16 universités congolaises doivent organiser les facultés de médecine. Coup de tonnerre à l'issue. Alors, on va... en fait, moi j'ai comme l'impression que il y a un truc qui ne marche pas dans le ministère, il y a issue. Il y a un truc qui ne marche pas, il y a un truc qui cloche. Je ne sais pas encore c'est quoi, mais je crois qu'il y a un truc qui cloche. Entre-temps, on a des soupçons, hein, je dis bien, hein, des soupçons, parce qu'on a des éléments de remontée, et ça, je crois que c'est à l'IGF d'aller vérifier véritablement dossier Wana. IGF a que tu as un dossier à Mambo Issu. Toujours qu'à moi, bah, nous, mais pas vraiment, je n'ai pas beaucoup d'éléments sur la question, donc je m'abstiens de dire quoi que ce soit sur la question, mais nous pouvons demander à l'IGF d'aller voir, on sait jamais, on peut toujours trouver des trucs. Mais au sujet, il y a idée Oyo. Oui, l'idée est bonne. Mais elle est mal appliquée, elle est mal faite. Il y a un problème. Voilà pourquoi je dis que lorsque vous n'êtes pas propriétaire d'une idée et vous voulez usurper une idée et qu'il y a un cas, il y a un mabé. Un homme politique, bon, je parle très dans ça. Je veux dire, quand on veut faire de la politique,
Il faut avoir des objectifs avant de faire la politique. Quand on aspire à devenir ministre, ou quand on aspire à devenir gouverneur, ou quand on aspire à devenir, bref, un homme d'État, ce sont les objectifs et la vision que nous avons d'un secteur quelconque. Il y a un effet guidé Bissot jusqu'à ce qu'on en arrivera à ce poste-là. Mais lorsqu'on est parachuté, on est tombé du ciel, on se retrouve dans un poste et on commence à chercher des idées. En étant dans le poste, on commet toujours erreur. Voilà pourquoi la préparation, elle est importante. Les gens pensent que quand on a été député, c'est suffisant pour être ministre. Tu peux être député, tu peux avoir été député. Et encore, on connaît comment nous sommes élus au Congo. Donc ça, ce n'est pas question des mérites, c'est des questions tribales, des questions ethniques, claniques, rien à voir. On sait comment ça se passe. Mais une fois qu'on devient ministre, on est appelé à laisser des empreintes indélébiles. On est appelé à mettre en place une politique nationale importante. Je ne dis pas que c'est le ministre qui conçoit la politique de son secteur. La politique de son secteur est conçue par le Premier ministre et bien évidemment qui découle de la vision du président de la République. Mais maintenant, il faut en même temps être prompt dans l'élaboration de projets, mais être patient dans sa réalisation. Et non l'inverse. Ici, j'ai comme l'impression que les gens ont un retard dans la réflexion des projets et ils sont rapides dans leur exécution. Et à la fin de compte, on a tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. On a des belles idées, mais qui sont mal exécutées. Regardez tous les projets du gouvernement. Pour la plupart des cas, que des très bons projets, des bons projets, mais dans la pratique. C'est-à-dire que c'est des belles idées. Mais mal exécuté. Pourquoi mal exécuté? Parce que le problème se trouve au niveau de la cellule de réflexion. On n'a pas assez de temps quand on réfléchit, mais on veut gagner du temps quand on applique. Non, c'est l'inverse. C'est quand on applique qu'on doit prendre du temps quand on applique. Là, on doit être rapide, c'est dans la réflexion. Soyez rapide, prompt, habile. Donc, votre capacité de réfléchir. Mais soyez patient quand vous mettez ça en pratique. Parce que lorsque vous venez asseoir une idée, lorsque vous venez asseoir une décision, il ne faut pas que vous puissiez demain dire non, non, et là, madame Mouité, non, non, ce n'est pas nous, on n'avait vraiment pas dit ça. Non. Vous avez vu une EPST, non? On se précipite à dire des choses, et puis après, on recule. Oh non, 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 on n'a pas dit ça. Non, non, non. Dans la vie, comme dans la politique, on ne tire pas avant d'avoir ciblé. Vous ciblez d'abord, vous vous rassurez que le sujet est dans la cible et ensuite vous tirez. Vous ne pouvez pas faire l'inverse, vous allez rater la cible. La décision de fermer certaines facultés, comme la médecine. Non, mais ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas ça l'idée. D'abord, revenons au niveau du contexte. C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est que nos universités ne répondent à aucun critère. Sur le nombre d'universités à travers le monde, le Congo n'aligne aucune université. Sur le plan africain, nous n'alignons pas une université. Parmi les 50 meilleures universités d'Afrique, nous ne nous, nous retrouvons même pas. Même parmi les 100, nous ne sommes pas là. Or, il y a 30 ans dans le passé, nous étions encore quelque part, peut-être pas à la première place, mais nous étions quand même sur la liste, au moins de la vingtaine. Il y a cela 30 ans, on figurait. Il y a cela 40 ans, on était encore beaucoup plus fort. Mais maintenant, nous sommes non seulement sortis de la liste des 10, on est sortis de la liste des 50 et même de la liste des 100, on n'est pas là. Mais non, le problème, il est là. Mais maintenant, regardons ce qu'on doit dire maintenant. Le niveau... Je ne veux même pas le niveau. La nature de la politique de l'éducation nationale. Quelle est cette politique que nous avons, nous, de notre enseignement national, notre enseignement universitaire? L'enseignement universitaire est déjà lui-même un vrai problème. Nos universités n'ont pas des revues scientifiques importantes. Nos universités n'ont pas des bibliothèques. Nos universités n'ont pas d'infrastructures. Nos professeurs ne publient pas dans les revues internationales. Nos professeurs ne sont pas aussi réputés que ça. Le problème, est-ce que vous leur donnez le moyen? L'État ne donne pas le moyen aux professeurs pour encourager la recherche. Nos universités n'ont pas
de secteur de recherche. Ils n'ont pas le moyen même de la recherche scientifique. On ne sait même pas si on fait encore des recherches à l'université. Le même enseignement, depuis 2010, c'est le même enseignement aujourd'hui. Pendant que l'OADA était en train d'être étudié, il y avait longtemps dans certains pays, nous, on était pratiquement à la traîne de la question de l'OADA. Et en termes de découverte, en termes de recherche, en termes de... Non, nous ne sommes pas là. On n'est pas là. Alors, dites-moi, dans les revues internationales, on ne vous trouve pas. Dans les rendez-vous internationaux de savoir, du savoir, on ne vous trouve pas. Le professeur doit payer les billets avec leur propre argent pour aller assister à des conférences au Japon, au Mali, je sais pas moi, aux États-Unis, en France. C'est compliqué. Donc, il n'y a aucune assistance, l'État ne suit même pas. Et ajoutez à cela les diplômes politiquement obtenus. Tout le monde veut devenir professeur, vous avez tout désacralisé. Mais le système éducatif est mort, totalement mort. Des professeurs qui se retrouvent aujourd'hui professeurs, si seulement on fait le contrôle des diplômes, mais il y aura beaucoup qui ne seront plus professeurs. Ils ont tous étudié en France, mais quand on va regarder en France, ils n'ont jamais étudié là-bas. Ils ont tous étudié en Grèce, quand on va regarder là-bas, ils n'ont jamais étudié là-bas. C'est des professeurs qui n'ont pas de cursus. Ils ont eux-mêmes des problèmes de cursus. Il est juriste, mais il enseigne à Polytechnique. Il est juriste, il enseigne à RI. Je ne parle pas de ceux qui méritent. Hein. Non, il y a des gens qui méritent aussi. Mais il y a beaucoup de fanatiques, beaucoup de parvenus. Ça veut dire que vous avez caporalisé l'enseignement, vous avez mis du désordre terrible là-bas. N'importe qui devient professeur, n'importe qui devient CT, n'importe qui devient assistant. Chaque ministre qui vient, il vient avec son lot de professeurs. Chaque ministre qui arrive, il arrive avec son lot de CT. Chaque ministre qui arrive, il arrive avec son lot d'agréments d'université. Mais vous rendez un service criminel au pays. C'est ça ce qu'on appelle un génocide intellectuel. Alors, le ministre, au lieu de s'occuper d'abord de ça, on est ailleurs. On est tantôt dans les syllabus, on est tantôt dans les signatures de diplômes, on est tantôt dans la fermeture des facultés. Le problème est ailleurs. Le problème, il est structurel. Ce ne sont pas des petits problèmes conjoncturels que vous avez. Le problème, il est structurel d'abord. Au lieu de regarder le problème là-bas, on fait des aventures. Et on est en train de regarder comme ça. Vous avez une université telle. Naba université, bino botiki. Ba faculté, bino boba université, bino botiki. Mais c'est des universités qui ne sont pas viables. J'en connais beaucoup. Sur la liste même, j'en connais beaucoup. Beaucoup d'universités qui sont restées là ne sont pas des universités. C'est généralement des écoles, des petites écoles même. Il suffit qu'à regarder seulement l'infrastructure de Bango pour le dire, mais c'est la blague. C'est de la blague. Donc il y a tellement de choses à faire dans Bango qu'on a vu sur qui tout le à la sérieux. Mais comme nous, on aime les raccourcis, bon, on va faire des histoires comme on peut. Tout le monde a un enseignement. Qualité enseignement à l'université d'Abisson. Ils ont produit des mines, ils ont produit des bananes. Nous, le problème, c'est au niveau des structures. Tout le monde ne fait pas l'université. D'ailleurs, le pays ne se développe pas par le nombre d'universités. Ils ont mis une école professionnelle. On apprend le métier, où on apprend l'art. C'est là que repose le développement. Le développement ne se repose pas dans le nombre d'universités. Bon, t'as la bateau, bah, Simbi, Amérique. Ils ont bateau, bah, aussi dans l'université. Ils ont bateau, bah, aussi dans l'école technique, l'école professionnelle. Parce que ce sont eux les industriels, ce sont eux qui font ma manufacture. Bah, on a Simbi, économie, en boka. Les universités, elles allient, elles ont comme ésotériques. Elles ont pour un groupe de personnes. Elles ont un groupe, il y a des chercheurs. Mais pour la pratique, pour la vie de tous les jours, elles ont une université, elles ont une école de formation, un institut professionnel, tout ça, qu'on appelle ça encore, INPP et tout le reste. Bangonde base, il y a ma solo. Alors, vous avez créé un pays où tout le monde veut avoir le diplôme. Ce que moi, j'appelle la diplomanie. Tu appelles la diplomacite. Le virus de la diplôme. Alors, quand tout le monde est atteint d'un virus à diplomatie, tout le monde cherche le diplôme. On doit avoir le diplôme, mais avec rien dans la tête. Le problème, c'est là. Maintenant, venons-en dans la université. Ce n'est pas une question des facultés. Je le dis, l'idée, elle est bonne. Mais sa pratique, elle est scandaleuse. Non, sa pratique, elle est scandaleuse. Attendez, on va réfléchir un peu. Dans les universités, parlons-en. Vous pensez vraiment que c'est la faculté de médecine qui est la plus importante de toutes les facultés? Non. Allons plus loin. La faculté de médecine, si les gens
bah continue la faculté et que bah tangi malamouté, vous avez des assassins, n'est-ce pas? Vous avez des bandits, ils vont tuer les gens dans les hôpitaux. Il faut donc à un moment donné être sérieux dans l'université, dans la mission, et surtout dans la faculté locale, la y a médecine. Oui, je vais bien. Mais vous pensez que c'est moins dangereux que les facultés de droit? Mais vous formez des voleurs et des tricheurs. C'est eux qui vont pourrir votre vie. Ils enverront des enfants, ils enverront des innocents en prison. Ils vont ravir aux veuves leurs parcelles. Ils vont donner aux forts et pas aux faibles. Ça sera une justice méprisable. Ce n'est pas la médecine qui élève une nation. C'est la justice qui élève une nation. Mais maintenant, lorsque vous vous laissez les universités et fonctionner dans go, à ta base viable, t'es, mais médecine car n'est pas longue, la mais dramatique. Non. Cette décision, vous n'allez pas me dire, faites à la progressive. Non. La décision doit être une décision holistique. Et dans son application, vous allez mollo-mollo. Ce n'est mollo-mollo, ça ne veut pas dire faculté par faculté, non. Mollo-mollo, ça veut dire zone par zone. Mais c'est comme ça qu'on fait, pas, on y va pas dans abracadabra, maman, bouffe, t'okéi. Bon, quand il y a l'université, il y a médecine. Non, et pourquoi? Le problème, ce n'est pas que la médecine, le problème, c'est dans tout ce que vous voyez. Le virus, il est partout maintenant. Le virus, il est partout. C'est un problème holistique. Il faut le prendre dans la généralité, dans l'union. C'est pour ça qu'on comprend dans bien. Nous apprenons que ordre de médecin, on va se plaindre. Mais de quel droit ordre de médecin, bah, on se plaindre pour la qualité de médecin, et médecin dans la République démocratique du Congo, et comment il y a un niveau influencé ministère? Non. Les ordres de médecins ne peuvent pas saisir. Influencer une décision du ministre, pas du tout, c'est inconcevable. Et ça, le coup là, barreau, ordre des avocats, ben, il dit ça, ministre, non, faut qu'il y ait ma faculté, il y a droit, parce que tout le monde en dirait, et ils ont produit n'importe quoi. Ils n'ont aucun droit de le dire. Ils n'ont que à proposer, pas à nous pousser à agir, non, ceux qui n'ont rien, non, non, non. Ils ne peuvent que nous dire, nous déplorons les conditions et tout le reste. Et à ce quand ils ont dit ça, l'État récupère le sujet, l'État essaie de voir dans quelles conditions nous allons faire les choses pour qu'elles aient bien. Mais ça ne doit pas être l'élément moteur. Non. Le ministère, non seulement qu'il est souverain, mais le ministère est un domaine aussi technique qu'administratif. Mais non, il faut voir, importance, Mango. Les universités au Congo, il n'y a pas d'université parmi les universités viables. Excusez-moi de vous le dire, exacté. Viabilité, c'est par rapport à quoi? J'ai entendu les gens me dire non, Evali, parce que le nombre d'enfants qui vont dans les hôpitaux comme ça, là-bas, stage. Arrêtez de blaguer avec les gens, excusez-moi de le dire comme ça. Arrêtez de jouer avec les gens. D'abord, vos hôpitaux sont sous-équipés. Vos hôpitaux là sont sous-équipés. Alors, quand vous envoyez vos enfants là-bas, vous êtes fiers de ça? Donc, vous êtes encore dans la logique de l'à peu près. Hein? Bon, le collaborant, à peu près. Dans la vie, il faut pas accepter les à peu près, il faut aller dans la perfection. Même si vous n'allez pas l'atteindre, mais ce qui caractérise votre réussite, c'est votre engagement dans le chemin de la perfection. Essayez de faire les choses bien. Vous étiez les donneurs de leçons ici, de la gestion des gens. Vous êtes ministre aujourd'hui. Vous êtes député aujourd'hui, gouverneur aujourd'hui. Mais, excusez-moi de dire, j'ai comme l'impression que vous êtes si piètre que ça. Vous êtes si piètre. Je ne m'adresse pas à un seul ministre. Non, je m'adresse à tout le ministre, à tout le gouverneur, à tous ceux qui ont hier donné des leçons aux gens et qui sont incapables aujourd'hui de mettre en pratique leurs propres conseils. Non, où est la rigueur, où est le sérieux dans ce qu'on fait? Je répète, l'idée de fermer certaines facultés de médecine, je suis parmi ceux qui en ont parlé, Liboso, Boebiango, Tolobango déjà, Awa, Bakanga, ma faculté, Moussous, Tolobakiango même. Mais ce n'est pas de cette façon-là. Pour ma université, il y a un tiki. Et appel non viable ma casse, ma faculté, non fiable ma casse. Voici ce qui devrait être fait. Et je conseille au ministre actuel et à Issu de faire. Monsieur le ministre, qu'on ne vous trompe pas sur des décisions, surtout irréfléchies, au besoin, car très souvent. Ma proposition, mon conseil à moi, Ezaboué. Une université doit avoir un laboratoire. Surtout pour ma faculté de médecine. Une université doit avoir une bibliothèque enrichie et actualisée si possible. Une université doit avoir le moyen des recherches. Une université doit avoir des infrastructures du moins normales. Un auditoire, des bancs,
Et une université doit avoir des professeurs. Arrêtez de laisser les assistants et les CT donner cours comme si les étudiants et les les CT et les assistants avaient le monopole. Non. L'assistant est un étudiant. Il n'a pas à donner cours. Il peut assister son professeur, mais il ne peut pas donner cours. Dans certaines universités, le propriétaire de ce cours-là, dans d'autres universités, c'est inconcevable. Et vous êtes au courant, vous le savez. Il y a certains professeurs qui ne sont jamais arrivés dans certaines universités au cours on a été en Pessamakuna. À comment on a Atinda Akab assistant. Pourquoi? Vous, en tant que professeur, faites-le. D'ailleurs, nombre de 16 autres qui, en principe, est un débat nombre à l'université, le pays comme la RDC, on ne peut pas avoir autant d'universités qu'on a aujourd'hui. Non, on ne peut pas en avoir. Nous, nous pouvons avoir, à la limite 15 universités. Je ne parle pas de 15 facultés, 15 universités. Et na wana ne sont dit qu'on renforcer yango. Ba université muzuzu bino bozuyo ala obozo 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 tikatika wana. Na bité bozuti yango pourquoi? C'est des universités fermées. So kotika vous n'avez même pas besoin de router pareil. So kotika yomu kotali ko ayo kwezate. Yomu kotiko bia ayo kwezate. Regardez comment ils organisent leur défense. Regardez comment ils organisent leurs travaux et dirigent la bango. C'est dans la légèreté la plus extrême. Que ce soit en médecine, que ce soit en économie, que ce soit en relations internationales, que ce soit en droit, c'est la même chose. Je vous conseille, pas de revenir sur la décision parce que vous l'avez déjà prise, mais de l'enrichir et surtout de l'élargir. Au bani na médecine, kende pe na droit. Papa, mbokani nous sommes dans l'université dans la Nyos. Bah comment vous fongola bah université mais bah faculté de médecine pourquoi? Pour que bah parce que bah dit que bah na baligni médecine mingi. Alors bah gozoba ne belé wana. Les gens vont venir rebeller. Alors comme les gens vont venir rebeller, ça fait le coût et ça fait les frais d'une université. Il faut interdire aux gens de s'enrichir sur le dos de la connaissance des gens quand même. C'est pourquoi moi je suis en train d'encourager l'IGF de contrôler un peu Bambou en état généraux. Voilà. Il faut qu'on sache exactement ce qu'on a fait avec l'argent. Il y a le état généraux. C'est important. Je n'accuse personne, en tout cas il faut que je le dise. Mais il faut qu'on essaie de voir un peu. Il faut comment qu'on soit sérieux. Le ministre dit il dit, parmi les critères pour avoir l'université à faculté de médecine, il faut 3 enseignants pas à la surplace. Mais ça veut dire quoi, 3 enseignants? Quelle est la définition d'un enseignant, selon vous? Est-ce professeur? Est-ce CT? Est-ce assistant? Qui est enseignant? Parce que lorsque vous ne mettez pas le contenu dans le corona, eh bien, vous aurez plus de 3 assistants dans la faculté, on a, En fait, nous disons ceci. Il faut pas qu'on mette beaucoup de légèreté dans ce que nous faisons. Sérieux. Il y a des vrais problèmes dans le cannabis. D'abord, avant même de parler de ces problèmes-là, il y a eu un moratoire qu'on avait accordé à toutes les universités. On leur avait dit pendant 3 ans, bon, ou quoi moyen, pour le bateau, besoin de médecine, bon, nous, comme moyen, bon, se doter dans ma clinique privée, ma clinique, na binôme privé, à défaut, ma laboratoire, yaminene, pour que permettre, ban, na binôme, ça, la travaux de recherche, na bangouana, ba, ça, la stage, na bangouana. C'était comme ça qu'on, même alors, hein, même si on sait que la décision aussi à moratoire, on a dit, peut carrément compliquer, on pouvait encore l'attaquer, mais bon, gardons ça comme ça. Le ministre ne fait pas allusion, n'ango, ou alors il ne s'apaisantit pas beaucoup sur ça. Il peut peut-être avoir à en parler, mais de façon rapide. Mais avant de lier au pénal, c'est pour dire, pour évaluer ne serait-ce que le moratoire. Pour donc évaluer à ta combien d'universités, bah, si, bah, créer un gros, ça aurait été mieux. Parce que continuité, l'état est un gros, au tel, bon, un moratoire, bah, c'est là qu'il y en a. Bah, nani, bah, c'est conforme à qui? Et puis, vous aidez, bah, ceux qui possibilitent d'aider, bah, vous allez, vous aidez, bah, mais vous, vous n'en parlez même pas, donc vous laissez tomber ça comme ça. Tout de suite, alors, il faut que Cannabis System, bah, LMD. Soyez pas complexé dans ma système. Vous pouvez faire le vôtre si vous voulez. Le problème, ce n'est pas le système de l'MLD qui va rendre l'éducation forte. Le problème, c'est le contenu. Qu'est-ce que vous mettez dans ça? Ce n'est pas les LMD. LMD, c'est qui m'en a. Le problème, c'est le contenu de l'anime. Mais sur la faculté, par exemple, il y a droit. Mais il y a un désordre terrible. Moi, j'ai fait une UMBA.
Inumba, na sala Inumba. Si le nomitou n'aura bon, bref, na sala Inumba. Inumba wana, na deuxième année, bisous de la gina cour à procédure pénale, na procédure civile, na, na, L, na G2. LG corrigé, n'a son ami trompé. Na G2, tu sais qui na procédure civile, na procédure pénale. Mais bah, na moussou, son a, on a qui n'a sala, bah, on a troisième année. Na, on comprend, on a. Bisous n'a bandaka tout ça, na deuxième, tu sais, procédure pénale. Mais ah, on a troisième. Bana, 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 procédure pénale, procédure civile. Autour de moi, on a deuxième. Bango, bah, cours, on a deuxième. Au but, on a troisième. Alors, on a mis toutes les questions, mon corps. Nana, la deuxième année. La CILC, c'est dans la deuxième année. Bon, condition, ça, c'est qu'il y a le Mbanda Kadaya Kinshasa, par exemple. Nego, t'en as troisième. Vous voulez me dire qu'on a raté ma cour à deuxième? Ben, ma cour, on a fait, on a deuxième. On fait, on fait, on fait, on a, on a, on a, on a troisième. Bango, bah, c'est, on a mis les gens, on a deuxième. Donc, vous allez me bouffer mon temps. Il y a droit pénal, il y a code pénal, il y a code civil. Pour, pardon, procédure pénale, la procédure civile. Bon, on a temps, on a pour rien, parce que, on a déjà, on a raison, on a les sous-sous. Vous voyez le désordre qu'il y a. Vous dites que c'est un programme national. Si c'est un programme national, ça veut dire, moi, on a dans la Nord, on a G1, le cours avant, on a dans la G1, et dans le cours, moi, on a dans la G1, la Sud, avant, on a uniformité, on a. Mais, écoute, ils athées. La faculté à droit kaka. Parce que bonjour, ma faculté à médecine aura mon bobé. Toujours faculté à droit. La faculté à droit, ma cour nous comme contentieux administratif. Place moussous sous cour, on a contentieux administratif, éthique à cours d'option. Alors que les lobes avec Bailo évoluent, la place moussous est comme un cours, il y a tronc commun. Cours, il y a sécurité sociale. Place moussous, c'est un démembrement, il y a code du travail. Alors que place moussous est comme un cours, il y a tronc commun. Qui se moque-t-on à la fin? Au lieu de trouver des solutions, dans ma camarade, on a besoin d'un côté. N'a pas faculté, mon sous-sous, n'a pas tant à combattre l'université. Par exemple, pour là-bas, n'a pas cours d'option. Mais n'a une équipe, c'est l'élève, l'étudiant lui-même fait le choix. Quand on a l'université, on a besoin de Pekisa. Alors, quand on a besoin de l'option, on a besoin de pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de professeur là-bas. Il n'y a pas. Ils ne viendront pas. Bah, assistant, on a besoin d'un école, il paie mal à monter. Le quoi, ben, il peut mal à monter. Le quoi, ben, c'est un peu bazar, t'es bon. Mal à mouton, bon, bah, en gros. Dans le bino, on s'en doit, eh, bino, on aura les. Oh, les sanctions, n'est-ce pas? N'a pas besoin de mettre ma courbe. T'es, yo, faut s'en législation. Oh, droit à concurrence, n'est-ce pas? Oh, bazar, t'es bon, bon, t'es gango. Bon, dans la pratique. Dans la pratique. Attends, ça, c'est un génocide intellectuel. Biloko, professeur, nani, ministre enseignement et supérieur, il faut aller kola, ne yango wana. Kokagaba faculté de médecine, eza malamo, eza bien, eza non yu de moua bien. Mais modèle obino bo tchelé en pratique, ne la kisi ki bateau ba ou maîtrise le gobao salaté. Et c'est très, c'est grave. C'est grave. Ordre des architectes, tu kokin kopé sa ordre na IBTPT, eza possible te. Ordre d'architecte, et que vous même pas qu'on imaginez. Mais voilà comment nous on est. C'est assez compliqué et c'est assez difficile. Je suis convaincu que le ministre de l'ESU va sortir de ce scandale. À Olongwango. Il va rire. À quoi on a scandale, hein? Je ne dis pas que Olongwango est ministre parce que c'est pas dans votre nature qui est connoté. Ministre, il faut qu'on a scandale. Donc, la seule façon pour le ministre de se rattraper, c'est d'élargir très rapidement sa décision. De l'ouvrir dans l'université Moussoussou. Moi, j'ai même une autre proposition, un modèle. Ça vous dit quoi de demander à toutes les universités privées, là, de s'organiser en consortium ou de s'organiser en groupe? Comme ça, l'État peut mettre à leur disposition ma belle. L'État peut dire, telle université, telle université, telle université, telle université, boya, bo sangana, bo sa la place telle. Comme ça, vous avez le moyen, on vous donne le terrain, pour organiser en go. Il y a un comité de gestion qui va gérer ma campagne, vous allez mieux, au lieu d'avoir des petites histoires, voilà. Mais en même temps, monsieur le ministre, dites-moi, et tous ces gens qui ont obtenu le diplôme de médecine dans ma université, vous êtes non viable, vous aurez payé mon diplôme? Bateau, tout, batanga, qui a eu diplôme l'année passée. Babimi, ma médecin. Bon, vous avez eu mon diplôme. To bouti ka bango ba travail na ba hôpital boko sala na bango nini bato ba zo ba disons bato ba si connait par exemple na doc un ce qui doc 2 bo transférer bango ailleurs qu'est-ce qui va se passer bino ba foot ba frais académique wana et ko sala ndenge nini bo zo ba décision na lo wingete
qu'est-ce que vous allez faire des étudiants qui sont en train d'étudier maintenant en cours ou parce que foutu ma frise académique na bango bokozo bango bokozo en place mon sous oui so ba koti kuna bino bo foutu ma frise académique wana bo foutu ba TP vous allez tout payer qu'est-ce que vous allez faire vraiment techniquement pratiquement pour ça la ndenge nini décision na loingé et ça toujours ma ba complication nango bouti état généraux. Dans le bataille, il y a déjà le but. Il y a un état généraux. Si il y a un débat de recteur, il y a voté. Le Vadmekoum. Et il y a un recteur, il faut qu'il y ait élu. Il y a un père. Il y a un petit qui est là. Ok. Pour un ministre, il y a un peu de lingui. C'est bien. Il y a un peu de temps à l'université, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps à l'université. Autant on a des usines, autant on a des universités là-bas. Oh, mon kakitoko. Université franco-allemande. Au Koutine, deuxième rue, allemande, Congo. Oh, université afro-américaine. Au Koutine, tout ça, américano-latine. Mais, attends, Kobino Moko. Bon, c'est la carrière, université occidentale, bah, Moko. Comme ça, on y va. On est qui à l'université? Donc, na limité, on a kaka, ou route, on a 7 universités. Na limité kaka. Et puis, limité, on a communauté, limité kaka, la première rue, tu dis 7e rue, ou route, pardon, 16e rue, ou route, il y a 7 universités privées. Où est-ce que ma boutique? Oh, il y a la université américaine. Oh! Si on a looké l'internet américain, on a looké, aux UT. C'est un monsieur qui est allé aux États-Unis avant d'y aller quelques années, 6 ans, 8 ans. Il parle avec deux universités là-bas, à la zone à l'université américaine d'Angouana. Comme ça, les gens disent, OK, si on a joué à faire la facilité aux États-Unis. Mais là, quoi, le coup t'as. Et l'État voit. Oh, université franco-algérienne, franco-malienne, franco, ce qui n'est pas à Tabino Moko. Franco-lelo, franco-lobby, franco-mokolo-kuna, loi mbotoni. Voilà pourquoi, moi, j'estime qu'on va, il faut qu'on fasse une autre émission sur la question. Parce qu'il y a tellement de questions soulevées que, est-ce qu'il y a des décisions à réfléchir au cas Penza? Unikine, bah, boya, qu'on soit, bah, étudiant, ou bah, outil, na premier cycle, place, mon sous, bah, ou dans le deuxième cycle, na unikine, et le roi unikine, bah, boya. Convaincu que iniloupe, bah, boya. Unikis, je suis convaincu aussi qu'il va boya. Parce que non, nous, on a droit. Ton outil, à la premier cycle, na université, il y a l'État. Ton yéwana, mais tout ça, la test. Bah, ça, l'issue, ça, test. Oh, parce que tu as peut-être une assurance mingité. Comment ça va se faire pour une université privée? C'est déjà pour une université de l'État. On a des doutes. C'est quoi privé que vous allez n'en gagner? Vous avez dit que vous avez ça, quelque chose de, vous avez ça, il y a un sens mingité. Un autre point important. Une université privée, aux capacités d'accueil, il y a, par exemple, 100 personnes. Mais en tout, vous avez déjà 200. Baradia surplus, toutes les universités privées, Baradia surplus, il y a du temps à la banque. Ce que vous avez dit, c'est que l'université de Bokangi est belle, ou non, on a pas qu'on s'inscrit place pour tous. Nambon ou un ami. Et puis, bah, on compte à coup d'un ami parce que là, c'est fermé. Bah, oui, bah, on compte à sauter parce que la capacité de déborder. Ceux qui vont passer l'instruction, voilà le piège. Ceux qui vont passer l'instruction, bah, quoi, ça, bango, ça veut dire qu'il y a un ami qui nous coopérer dans l'université de Moroboué, au Bokangi. Qu'il y a un tanga va passer un document, peine à côté d'un niveau supérieur, sans qu'il y a un tanga. Est-ce que vous imaginez, mais vous avez tout, vous avez tout, vous bien. Parce que beaucoup encore, vous avez une émotion, beaucoup le avez oui, ok, vous avez un ordre, une kin, vous avez il n'y a pas de problème, une kin va dire, on obéit, vous avez un habit, tout avez un médecin, on a un deuxième doctorat. Parce que vous pouvez gagner l'autre côté, dans l'autre université, vous avez un tanga kuna, vous avez un faculté, vous avez un kanda, alors, pomper ma diplôme à l'okuta. Comment vous allez faire pour contenir le modèle wana? Toutes les décisions qui ne sont pas prises, na réflexion, na raison, et conduire à tout cas dans la situation où tout le monde a tout le basico. Chère Excellence, Monsieur le Ministre, je ne sais pas. Comme la Congo peut te rabattre à têtu, bon, peut-être que vous sursoir idée wana te, ou foncez nango. Mais s'il te plaît, s'il vous plaît. Foncez nango, nanga bien. Bah, problème, il y a tellement mille aïe. Comment vous allez résoudre ces problèmes? On a expliqué, on a vécu qu'on soulevait. Vous aurez dû prendre le temps. Vous aurez dû évaluer Babilo Kouana.
Et Botali va répondre en ligne déjà dans son ensemble, ne boye qu'on sa solution, décision après. Mais vous, vous avez pris d'abord des décisions avant, et puis, bah, on va me compliquer. Sauf que vous avez réactivisé des décisions là, et vous avez son nipo là. Moni, bah, 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 mais à haut, bin, sans dingue, mais sauf que t'as là qui est avant, on n'allait pas être dans ces conditions. J'espère que vous allez éclairer, et vous allez très bien. Que la peur quitte ton esprit, et que Dieu bénisse les RDC. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Borozov, Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au +33 783 057 114. En Belgique, au +32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez +243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des conteneurs, des engins des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Guinée aux hommes, Zizoubinois, Daïmada, Chino, Loye Mali, Loye Bolo, Nene Yalisa.